Chers frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, moi salue nous dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la nouvelle sortie rubrique Paix spirituelle ça pour aujourd'hui. C'est toujours avec un grand plaisir que nous rencontrons ensemble pour nous les paroles de mon Dieu. Paroles de mon Dieu, Paix spirituelle, nous appelons aujourd'hui dans Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, versets 3 à 4. Ne fais rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Parole du Seigneur. Comment nous sommes capables de construire de bonnes relations? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais nous focus sur l'élément que nous présentons comme le plus gros élément qui va permettre que nous construisions de bonnes relations. C'est lorsque nous sommes capables d'habiller nous avec le vêtement de l'humilité. Qui ça me dit là? C'est l'humilité. Nous besoin humble. Nous besoin humble. C'est ça que la parole de bon Dieu m'a dit nous. Côté de notre lien, il y a un bon enseignement que l'Esprit de Dieu veut que nous apprenions. Apprendre pour que nous puissions considérer l'autre comme au-dessus de nous-mêmes. Apprendre plutôt pour que nous puissions être humbles. Capacité, ça, c'est lui-même qui va permettre que réellement que nous construisions de bonnes relations. Mais avant d'aller plus loin, qui ça même humilité en y est? Humilité, c'est lorsque vous commencez à honorer l'autre, que vous semblez les placer au-dessus de vous-même, sans que vous ne mettez de côté droit que vous gagnez, que le Seigneur ou que la vie ou. Mais si nous parlons de humilité, nous devons parler aussi de contraire li, hein, qui c'est gros adversaire li, qui c'est orgueil. L'orgueil détruit relation. Si humilité li construit, orgueil là li détruit. Et nous gênons orgueil là dans différentes manières. Pendant que vous critique, vous voulez faire compétition, c'est-à-dire combattre l'autre monde, ou têtu ou impitoyable. Proverbe 16, verset 18 montre que l'orgueil lui mène à la destruction. Une attitude orgueilleuse lui mène à la ruine. L'orgueil est une trompeuse, frère Maxime. Lorsque vous avez un problème, lorsqu'on vit un problème de fierté, ça orgueille ça, on ne peut pas accepter que personne ne voit rien dans la vie. On ne peut pas accepter faiblesse. On ne peut pas accepter faute. Et bien, on est orgueilleux. Tout le monde est capable de voir nous-mêmes. Et comment on est capable d'identifier orgueil dans nos relations? Premièrement, on toujours voulait bay moun conseil sans que ou même ou pas jamais accepter conseil l'autre monde, ça c'est orgueil. Deuxièmement, on pas jamais admettre que on fait erreur, mon toujours erreur l'autre monde, ça relève orgueil. Troisièmement, on pas jamais accepter qu'on a connu un moment difficile alors que tout le monde reconnaît que la vie un moment difficile. On pas veut admettre qu'on a un problème, ça c'est orgueil. Mais comment humilité est capable jouer dans une relation? Parole de Dieu, nous, cinq gros bâtisseurs de relation dans 1 Pierre 3, verset 18. Premièrement, c'est vivre en harmonie. Deuxièmement, c'est pour sympathique. Troisièmement, c'est pour remer l'un l'autre. Quatrièmement, c'est pour avoir compassion. Et cinquièmement, c'est pour nous humbles. Quatre premiers, nous parlons de harmonie, sympathie. Nous parlons de compassion. Nous parlons de l'amour l'un pour l'autre. Yo construit sous cinquième nan qui c'est humilité et son excellent modèle de relation fonctionne. Par contre, comment humilité produit dans la vie? Mais pas gen personne moun qui humble si que yo pas quitter Jésus-Christ contrôle les pensées, cœur, attitude et relation. Ou a grandi dans l'humilité parce qu'on a grandi en relation avec Jésus-Christ. Et c'est ça même parole bon Dieu montre nous aujourd'hui.
Et c'est ça que m'a enseigné nous là matin. Je m'a pensé la tête moi tout. M'a fini pour moi dire frère Maxime moi yo que la loi fondamentale de relation c'est qu'il y a tendance pour venir même gens avec moun pour passer du temps. Pour passer du temps avec moun qui est chimérique, des moun qui grêchent. Ou vin plus, ou vin même j'en avec yo. Si vous passez du temps avec moun qui est dans la joie, qui est heureux, ou ap vin dans la joie tout, ou ap heureux. Si vous voulez être humble en vos actions, vous passez du temps avec Jésus-Christ dans la prière, dans la lecture de sa parole. Parlez avec lui. Lui humble, élevez une relation avec vous-même. Grandir dans l'humilité, capable de sembler au défi de taille, mais est possible avec Jésus-Christ. On fait premier pas vers l'humilité pendant qu'on a venu au bâtisseur de relations avec l'autre monde aujourd'hui. Papa nous qui dans celle-là, merci pour parole. Et merci pour gros enseignement ça qu'on ban nous aujourd'hui. Apprends-nous Seigneur Dieu à gagner une relation avec nous-mêmes pour nous vivre dans l'humilité que nous-mêmes seul ban nous exemple et pour nous capable sembler avec nous-mêmes Jean 49 création espérance dit sembler Jésus c'est des hymnes les moins seuls au parmi monde. Semblez Jésus dans toute vie. Oui, moi je veux sembler au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente journée dans deux plats, mais papa, mon Dieu Tout-Puissant. Nous avons là, et nous avons compté deux matins, si papa, mon Dieu, content pour l'autre sortie ou ça, qui c'est bien spirituel. En attendant, nous avons dit qu'il y a des sourires. Pas quitter rien ni personne, il faut perdre, songer que sourire, son cadeau que mon Dieu bat. Il est difficile d'entendre ça pour nous capables, mais il est possible avec Jésus-Christ. On va passer du temps avec lui et on va apprendre le son ça. À demain, sois à votre compte.